وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. L'imam Abu Othman al-Sabouni l'a dit, les signes des gens de l'innovation et des passions sont apparents et clairs. Et parmi les signes les plus apparents, c'est qu'ils détestent et qu'ils prennent à partie les gens du hadith et les gens qui transmettent les traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils les méprisent et ils les appellent hachawiyya wa jahala wa zahiriyya wa mushabbiha, ignorants, littéralistes ou bien anthropomorphistes. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils font ressembler Allah aux créatures. Quand ils affirment qu'Allah a une main, un visage, qui lui sied, subhanahu wa ta'ala? Rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui est semblable. En croyant que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou que ses traditions, ce n'est pas la science certaine. Et que la science certaine, c'est ce que Shaytan a insufflé à leur raison corrompue. Et ce que leur poitrine assombrie leur ont donné comme idée et insufflation. Voilà ce qu'Allah a maudit.